Mon sentiment de ce centre de santé, c'est un très grand confort pour moi. Parce que lorsque je suis arrivé ici, en mars 73, il n'y avait que le seul cabinet de la sous-préfecture qui était là-bas. C'était le seul cabinet médical qui pouvait prendre les soins, soit en vaccination, soit dans tout le sens, c'était là-bas. Mais actuellement, nous avons 14 postes de santé qui fonctionnent. Le 15e maintenant, ce poste de santé est inauguré aujourd'hui. Moi, je suis très conforté. Parce que moi, ça m'a donné une très bonne, un grand bénéfice, un grand sacrifice, un grand honneur. Parce que le seul poste de santé qui était là, avant, les gens se déplaçaient dans des hamacs. On a des distances de 85 km ici. On les mettait dans un hamac, ils venaient à la sous-préfecture là-bas, c'était là-bas. Maintenant, il y a 14 postes de santé fonctionnels. C'est le 15e qu'on inaugure aujourd'hui. Et il n'y a pas ici une case où je ne suis pas rentré marcher à pied, aller soigner les gens à domicile. J'ai vu un jour, en allant à Dara, d'ici Dara, c'est 85 km. Il y a un raccourci ici, à Tchabé, c'est là où j'ai fait ma prière de 19h. À 20h, j'étais entre les rochers de la montagne pour aller quand même sauver une femme en travail. Et je suis allé quand même soigner cette femme et elle s'est délivrée dans de très bonnes conditions. Donc, moi, je sais que c'est ici quand même que j'ai eu la chance de faire mon pèlerinage à la Mecque en mission médicale qui m'ont envoyé à la Mecque. Ça, je suis très ravi. Jusqu'à présent, on m'a mis à la retraite, mais je continue à fonctionner à côté des gens, de Dongol. Parce que ce fut pour moi un très grand bénéfice. Et ils ont un respect particulier vis-à-vis de moi. Il y a certains malades, ils ont le moyen d'aller partout ailleurs pour se soigner, mais quand je suis absent, ils préfèrent m'attendre. Alors ça c'est un très grand honneur. Non, je vous dis dans Dongol Touma, j'ai fait les 50 années ici. À Dongol Touma. Je suis venu en mars 73. Au moment de la retraite, les gens ne m'ont pas lâché. Je suis allé dans le soin de santé primaire. Je faisais toutes les vaccinations au niveau dans tous les districts. Donc, j'ai 50 ans. Jusqu'à présent, je fonctionne au vœu des patients malades. Jusqu'à présent.